Bonjour. Vous cherchez une façon d'aider les enfants qui ont tendance à être perfectionnistes et à se blâmer lorsqu'ils font des erreurs. Voici un petit truc un peu drôle. Alors, demandez-leur dès qu'ils se plaignent là, que bon, je ne suis pas bon. Puis dès qu'ils se plaignent, vous pouvez leur demander est-ce que tu as un trou dans le ventre? Vérifie, voir si tu as un trou dans le ventre. Le nombril, évidemment. Alors là, mais oui, il y a un trou dans le ventre. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. C'est dès qu'une personne a un trou dans le ventre, c'est sûr, sûr, sûr qu'elle fait des erreurs. Ça, c'est certain. Et demandera à ton grand frère, s'il y a un trou dans le ventre, c'est sûr lui aussi fait des erreurs. Ça, c'est certain. Alors, même avec les ados, même avec les plus vieux, vous pouvez. Pour rire, évidemment, mais leur demander, bon, ils arrivent, ils sont déçus d'une performance au sport, au musical, au spectacle, whatever. Vous pouvez leur demander, t'as-tu un truc dans le ventre? Eh oui, c'est pour ça. Toutes les personnes qui ont un trou dans le ventre, c'est vraiment des personnes qui font des erreurs. Alors, bienvenue au club, moi j'en ai un, ton père en a un, tout le monde qu'on connaît. Non, qu'ils ne l'ont pas trouvé encore, celui-là, c'est plus grave, là. Alors, ça fait sourire, mais pour les très jeunes, les 4 ans, 5 ans, là, c'est comme ils croient ça, avec raison, parce que c'est un fait que toute personne qui a un trou dans le ventre fait des erreurs. Mais moi, bonne chance.